Bonsoir et bienvenue. Donc nous allons continuer la dictée, le petit poussé. Je vais d'abord lire le texte et ensuite nous allons voir les phrases les unes après les autres. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucet les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber, le long du chemin, les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc: Ne craignez point, mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. Alors, lorsque ces enfants se virent seuls, virgule, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Point. Lorsque ces enfants se virent seuls, lorsque ces enfants, donc là ils ont mis CES, parce qu'en fait ça ne fait référence à rien. Il ne parle pas des enfants de quelqu'un, c'est juste ces enfants anonymes. Lorsque ces enfants, enfants, avec S, donc rappelez-vous que ici le Q s'écrit avec une seule barre et pas avec une boucle. C'est juste que le logiciel écrit le Q de cette manière. Donc je n'ai pas la possibilité de modifier, mais vous pouvez écrire correctement votre Q. Lorsque ces enfants se virent seuls, se virent, donc c'est le passé simple de la troisième personne du pluriel, qui se termine par ENT, se virent seuls, seuls. Donc là, ils ont mis un S, virgule. Ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Donc ils, c'est au pluriel, à la troisième personne. Donc ils se mirent. Mirent, c'est le verbe mettre à la troisième personne du pluriel, au passé simple, ils se mirent à crier. Donc pour savoir si on met un A accent ou pas, vous pouvez remplacer par l'imparfait de l'auxiliaire avoir à la troisième personne, avait, ils se mirent, avaient crié. Donc quand ça ne marche pas, vous mettez un A accent. Ils se mirent à crier, crier. Alors, est-ce qu'on met ER ou E accent aigu? Ils se mirent, vous pouvez remplacer par fini ou finir. Si vous arrivez à remplacer par finir, c'est que vous pouvez mettre ER. Si vous pouvez remplacer par fini, vous mettez E accent aigu. Ils se mirent à fini, c'est pas bon. Ils se mirent à finir, donc à crier, crier ER. Et à pleurer, ils se mirent à crier et à finir et à pleurer, pleurer ER de toute leur force, de toute leur force. Donc ici, ils ont mis au singulier. Le petit poucet les laissait crier. Virgule, sachant bien par où il reviendrait à la maison, point virgule. Le petit poucet les laissait. Donc c'est le verbe laisser à l'imparfait. À la première personne du singulier. Pas la première, à la troisième personne du singulier.
parce que ça fait référence à le petit poussé, il les laissait, pardon, il les laissait crier, crier, finir. Il les laissait crier, donc ER, virgule, sachant bien par où il reviendrait à la maison, sachant bien par où indique le lieu, donc vous mettez accent, il reviendrait. Donc, imparfait à la troisième personne du singulier. À la maison. Donc, je remplace par avait. Reviendrait avait la maison. Ça ne marche pas. Donc, vous mettez accent. Il reviendrait à la maison. Point. Point virgule. Car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Car en marchant, il avait, imparfait, troisième personne du singulier, il avait laissé tomber, il avait fini tomber, il avait laissé tomber. Alors, il avait fini finir, il avait finir fini, il avait fini finir. Il avait laissé finir, finir tomber, ER. Le long du chemin, le long du chemin, les petits, avec S, c'est au pluriel, il y en a plusieurs, les petits cailloux, cailloux pluriel, on met un X, blanc, pareil, mettez un S. C'est au pluriel. Qui l'avait dans ses poches? Qui c'est qui avait les petits cailloux dans ses poches? C'est le petit poussé. Donc c'est la troisième personne du singulier. Qu'il, le petit poussé, avait, imparfait, troisième personne du singulier, dans ses poches. Poche pluriel. S. Point. Il leur dit donc, il, c'est le petit poussé, il leur, donc ça s'adresse à leur frère, il leur dit, c'est le passé simple à la troisième personne du singulier, il leur dit donc, double point, donc on va ouvrir les guillemets, ne craignez point, mes frères, point virgule. Craignez. Donc, c'est l'impératif. C'est vous craignez. Ne craignez point, mes frères. Donc, après point, ils mettent virgule. Ne craignez point, virgule, mes frères. Frères au pluriel. Point virgule. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, virgule. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, nous ont laissés. On, donc c'est le présent, c'est le verbe, l'auxiliaire avoir. Ils nous ont. On, c'est à la troisième personne du pluriel. Hein. C'est en fait le père et la mère. Nous ont laissé, nous ont fini.
Ils nous ont laissé. En fait, ici, il y a une petite particularité. Normalement, il n'y a pas de S, mais bon, si vous faites la faute, c'est pas trop grave, hein, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Tout le monde n'est pas au courant de cette règle grammaticale. C'est quand le complément d'objet direct se trouve devant le verbe. Ça s'accorde, et ici, ça s'accorde. Mon père et ma mère nous ont laissé ici, virgule, ici, virgule. Mais je vous ramènerai bien au logis, virgule. Mais je vous ramènerai c'est le futur à la première personne du singulier. Je vous ramènerai bien au logis, bien au logis, virgule. Suivez, c'est le verbe suivre conjugué à la deuxième personne du pluriel. C'est vous suivez. Suivez-moi seulement. Seulement. Point. Voilà, on est arrivé à la fin de cette partie. Je voulais aussi vous dire que très certainement vous avez la possibilité dans les paramètres de YouTube, au niveau de cette vidéo, de ralentir ou d'accélérer le texte si vous trouvez que c'est trop rapide ou trop lent. Vous pouvez l'adapter, normalement ça fonctionne comme ça sur toutes les vidéos. Je n'ai pas vérifié sur mes vidéos, normalement je ne suis pas censé les lire. Donc voilà, si vous pouvez vérifier. À bientôt, bonne soirée!